Allez les amis, suite de l'aventure sur Subnautica, deuxième épisode. Ouais, c'est bien si on fait des petites runs de 2 heures comme ça, 2 heures, 2 heures et demie, ouais, c'est cool. C'est bon, je me suis réconcilié avec Romain, il avait pas partagé son McDo. Putain, arrête, tu me donnes envie de bouffer un McDo. C'est terrible! Vous me donnez envie de manger un McDo! Ah! Vous êtes les pires. Putain, les graphismes, ils sont ouf. En 2K, franchement, c'est tellement beau. Waouh, c'est un délire. C'est magnifique. Bon, on en était où, nous? Quelqu'un se rappelle? Quelqu'un a suivi? Le streamer n'avait pas suivi. On en était où, du coup? Ah oui, on était en train de construire... Ah oui, c'est bon, ça me revient. Welcome to the boat, Captain. Thank you. Hop, on met tout ça ici. Ne vous inquiétez pas, on va nommer tout ça. Ne vous énervez pas. Enfin, je crois. Quoique, pour vous embêter, peut-être qu'on pourrait foutre un bordel monstrueux dans les armoires. Pour être drôle. Non. Ça vous plairait pas? Marcou, ça te plairait ou pas? Non? Ça va. Mais du coup, non, mais si t'as pas réagi, c'est bon, ok. Mais j'ai compris, ça sera le bordel du coup dans mes armoires, pas de problème. Je suis content que tu acceptes enfin que ce soit le bordel dans les armoires du coup du jeu. Nickel. Non, jamais. Eh, hey, t'énerve pas, pourquoi tu cries comme ça? Salut Flamarie là, salut à toi, ça va? Un petit piper cuit. Chou! Ah, on s'est mis bien là. Alors on est vraiment bien, franchement c'est nickel. Alors moi vous savez ce que je vais vous proposer d'aller faire? On va aller faire un petit tour du côté de l'épave. On va aller récupérer Ah c'est par là-bas. On va essayer d'aller récupérer du coup un maximum de débris. C'est juste à côté de toute manière donc ça va aller vite. Bon, il y en a en plus ici déjà. En fait, on va avoir besoin de pas mal de titane. Il y a un paquet de radiation par ici, hein. C'est tellement pratique d'avoir ce véhicule, c'est trop bien. Mais ouais, s'ils pouvaient faire un truc genre un mode, tu vois, où... Un mode où au final, dans le mode, tu... Dans le mode, au final, tu redécouvres l'aventure, tu sais, avec les poissons qui sont générés à d'autres endroits et tout, je sais pas, ça pourrait être trop drôle. Fragment de Simoth. Ah, il m'a fait nuit déjà? Ah merde! On va partir d'ici. Ça irait mieux si j'avais pas tapé un paquet de 350 grammes de chips et une boîte de bretzel hier. Oh merde. Oh putain, t'es un peu débordé, ouais, j'avoue. Bon, après, ça arrive, hein. Ah bah, des fois, c'est pareil, ça... Enfin... Je fais un peu plus gaffe maintenant, mais... Mais avant, des fois, tu sais... Quand je faisais les courses, je ramenais plein de conneries à bouffer, quoi. 100 mètres.
Après, je me sentais tellement mal. Ah, je me sentais mal après. Sur le moment, tu bouffes tout ça, t'es content, et puis à la fin, tu regrettes. La salle de scanner. Oh, on a même pas besoin d'aller si loin que ça, hein, au final, regardez. Une table de bar. Nickel. Facile d'attaquer. Ouais, c'est facile d'attaquer, c'est difficile d'arrêter, hein, j'avoue. C'est comme le sifflard, tu sais, quand tu commences à couper des rondelles par-ci par-là, t'as du mal à t'arrêter, tu sais. C'est un enfer. Aïe, je te jure. Fragment du Simoff. Moi, c'est le truc. Ce que j'aimerais réussir à trouver, c'est le bioréacteur. Eh oh, non mais oh, eh, dis donc. S'il vous plaît. C'est quoi ces familiarités là? Hein? Non mais oh. Tu avais un fragment il y a pas longtemps. Après je suis full, donc on va aller faire fondre tout ce qu'on a récupéré. Ouais mais... Comme dit Blue, j'ai l'impression qu'ils ont up le jeu là au niveau des graphismes et tout. Il y a quasiment pas de perte de FPS, enfin je sais pas, c'est fluide de ouf alors qu'avant j'avais des soucis de perte de FPS. Et là je sais pas, je trouve que le jeu il est fluide mais comme jamais quoi. Mais par contre les pauvres poissons... Ah la vache, c'est un véritable carambolage là sans déconner. Vous entendez les bruits? À chaque fois que vous entendez le poum 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 poum, ça veut dire qu'il y a un poisson qui a heurté le... En simote. Je suis un meurtrier. Je suis un meurtrier. Bioréacteur, hein, t'as plus de chances de trouver dans les vignes de Rhin avec les rôdeurs. Ok. Merci Flammarilla. Ce serait pas trop mal aussi, ça serait qu'on fasse la boussole. Ça pourrait être une bonne chose. Ouais, la boussole. Ça serait pas mal, non? Alors attends, ma base elle est juste là, nickel. Alors il va nous falloir de l'or, d'autres petites bricoles par-ci par-là, nickel. Ça on va l'appeler Titane. Et on va y mettre, bah, du Titane. Original, non? Est-ce que j'ai vraiment besoin de mettre des réserves de champignons là-dedans? Je crois pas, non? Par contre c'est cool, tout l'or que j'avais déposé ici. Il a pas bougé. Il est resté sagement ici. Il nous manque des échantillons de corail plat. Voilà, on a deux machines pour construire, c'est nickel. Salut Eagle, comment tu vas? Ouais, un des meilleurs jeux qui puisse exister. Ça va et toi, Paulet, ça roule? Ouais, y'a plus qu'à se servir quoi. Salut, ça va? Explose en pleine tronche. Et le souffle qu'il y avait dans son nid, je crois que j'ai déjà récupéré en fait. On l'avait déjà récupéré malheureusement. Pourquoi de fabricateur? Parce que des fois il y a certains trucs qui peuvent mettre un peu de temps à être fabriqués. Du coup pendant que le truc qui se construit d'un côté, je peux continuer de charbonner de l'autre côté. Sur l'autre machine. T'auras beau essayer de trier au début, tu arriveras jamais à tenir le triage jusqu'à la fin. C'est impossible avec ce jeu. J'y suis arrivé, des fois.
Je te jure, j'y suis arrivé. Alors attends, laisse-moi réfléchir. On est obligé d'avoir la baie d'amarrage, hein, c'est ça, hein. Ouais, il me faut la baie d'amarrage. Eh oh! C'est qui m'embrouille? Ah ok, ça marche. Putain, je comprenais pas, je me disais mais c'est quoi ces conneries? Y'a un truc qui m'attaque. On se fait attaquer. L'objectif ça va être de faire une petite base sympa. Histoire de pouvoir améliorer notre véhicule pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. On avait dit que c'était le numéro combien? Indique leur sigle est endommagé. Osef, c'est pas ça. Échoué près d'un système de grotte qui a subi des attaques. Ouais, c'est ça. C'est là, en descendant, en fait, on va pouvoir réussir à trouver, en plus de ça, un rapport, si je dis pas de bêtises. Un truc assez important. Oh. Voilà, on a ça ici. Et là on est dans un des biomes les plus sympathiques du jeu. Ouais je sais, mais attends, c'est pas un problème. J'ai le recycleur. Et en plus on n'est pas dans une zone où il y a la... Dans cette zone là il n'y a aucun problème au niveau de la... On a aucun souci du coup, question de... Merde! Radiation. Putain, je l'ai récupéré instant, n'empêche. Je m'impressionne. Ah! Pardon. Welcome aboard, Captain. J'ai eu peur. Désolé. Donc ouais, en fait, une fois qu'on l'a récupéré... Oh là là, les bruits, oh la vache! Ici, c'est le meilleur spot pour récupérer du diamant et du lithium. Et de la magnétite. Et de l'or aussi. Enfin, pour les récupérer très facilement dès le début, quoi. Donc en plus, la zone... En fait, la zone, elle est impressionnante. Elle paraît impressionnante, mais elle est pas dangereuse, ça va, franchement. Non, franchement, ça va, c'est chill ici. Bonne soirée à toi, Blue, des bisous à toi. Très bonne soirée à toi. Allez, on a vraiment toute la magnétite dont on a besoin.
Ouais, si t'as toute la magnétite qu'il faut du coup pour terminer, enfin si jamais t'as besoin de magnétite, y a tout ici quoi. Voilà, un peu de lithium encore. Tu vas construire un cyclope, c'est trop bien ça. Ouais, le cyclope, carrément, ouais. On va essayer de tout faire. On va essayer de tout faire, mon poulet. Alors, du coup, on a récupéré le message, là, qui était juste en bas, vous avez vu. Et le jeu nous demande d'aller là-bas, du coup, ok. Ouais, c'est un peu sportif ce qu'on fait là. On est en train de faire un peu une dinguerie là. Je sais pas si ça passe dans ce côté là. J'ai peut-être fait un peu de la merde, je sais pas trop, on va voir. On tente. Non, j'ai fait de la merde. Normalement c'est plus simple si tu passes par l'extérieur. Speedrun. Bon, même pas en vrai, tu sais quoi. Non, non, tranquille en vrai, j'ai même pas envie de terminer le jeu vite. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. Y'a un truc là-dedans, non? Non, ça va, y'a personne. Bah, y'a rien. Y'a rien du tout. Et voilà, il nous a dit que c'est là-bas qu'on doit aller, mais il faut passer par en haut normalement, mais moi je passe par en bas parce que, bah... Ouais, c'est plus fun. C'est un peu plus dangereux par contre, mais bon. Mais non, tout va bien, arrête. Je chipote, hein. Ça va aller. Ça va bien se passer. Il est où le truc? Merde! C'est où? C'est là. Voilà les amis, vous avez vu? C'est juste là. On va se mettre un chouïa plus en hauteur parce que là la salle bait, sinon après elle va défoncer notre vaisseau. Ça serait un peu ballot tout de même. Allez, on y va. Donc ici, on a plein de choses sympathiques à découvrir. Alors là déjà c'est trop bien parce que regardez, vous voyez ça là? Ça c'est la chambre d'immersion. Et c'est exactement ce dont on a besoin. Trop bien. Fragment de la chambre d'immersion encore. Et voilà, on a appris un des trucs les plus importants. Nickel. Après là il va y avoir un peu de blanc à ramasser à droite et à gauche. 3 bricoles. Ah, yeah, yeah. I thought it might get claustrophobic living underwater. Father feels it is. He'd tell me it was childish, but I stare out the window and sometimes I think how lucky I am to see this world up close. Back on the island, I wouldn't have believed the creatures that live down here. The fish, they glow. There's one that's 90% eyeball. Snakes twice the length of a habitat compartment. Certainly, it's not all friendly. Most of the plant life is toxic. Learned that the hard way. But I've managed to coax some marble melons into growing indoors, and
and when they don't cover our dietary needs, well, we eat the fish themselves. It's a bit gross, but there's nothing they wouldn't do. I've been attempting to document my findings. Father approves. He says understanding is power, that the more we know about this planet, the more we can use it to our advantage. I'm just doing it because it's fun. It's not easy without proper equipment and network access, but the old-fashioned way, observing, testing theories, shows me the world in a way a spectroscopic analysis never could. Lately, I've been watching the crab snakes. They ambush their prey as it tries to feed on the mushrooms they hide in. What they don't eat settles on the seabed, which fertilizes the mushrooms, which feeds the herbivores, and so the chain continues. Coevolution gives me the fuzzies. Integrating new PDA data. Un réacteur nucléaire, tiens. Sympa, ça. Ah ouais, le fameux fusil à stase. Donc la deuxième partie du fusil à stase, je suppose. Trop bien. Ok. Il y a un bug dans le jeu en fait, des fois le son il est hyper fort quand je ramasse un truc. On subit une attaque, je répète, on subit une attaque. T'aurais pu faire la run en extrême. J'avais envie de faire la run jusqu'au bout, tranquille. Mais on refera en extrême après, mais tu vois, en fait je suis mort une fois et je me dis... Je préfère faire la run en mode chill, tu vois. Et si jamais je fais une erreur, tant pis, c'est pas dramatique, on peut quand même poursuivre l'aventure et aller au bout, quoi. Là, ici, y a rien, ok. Aïe. Integrating new PDA data. Allez, on scanne l'observatoire. C'est ça qui est cool, t'as même de te faire une base tellement stylée en vrai. Tu veux te casser un peu la tête. Putain, le monstre quand il passe à côté de toi, il fait tellement peur. Le bruit qu'il fait, franchement, il fait flipper. Bon bah on a tout récupéré les amis, c'est nickel. En fait on vient de récupérer des éléments extrêmement importants. Qui vont nous permettre du coup de pouvoir faire la base, ça y est. En fait on a tout ce qu'il faut pour faire la base maintenant. Il nous manque juste le bioréacteur et c'est bon. Ah putain, les radiations ont été détectées ici. Ouais, les bruits dans le jeu ils sont flippants, ouais, j'avoue. Attends.
J'ai entendu un bruit de Léviathan. C'est pas possible, il peut pas y en avoir dans cette zone-là. Ouais, ça spawn pas ici, y'a pas de Léviathan. J'ai entendu un bruit de Léviathan ici, je te jure. Attendez, il y en a peut-être des choses à récupérer ici. Déjà, le piège à gravité. Ah, voilà la valise. C'est bon. Ça c'est la base en vrai, la balise, faut vraiment... Surtout, bah maintenant je m'en fous un peu personnellement. Mais quand tu débutes sur ce jeu, en fait la balise c'est ton meilleur ami quoi. On va pas se mentir, c'est ton meilleur ami. Et ça, c'est un truc qu'il faut qu'on marque. Tuto les bases, objets basiques à faire, parler de la radio. De la balise. Les épaves à fouiller autour dans le biome de base pour tout débloquer. Ouais, pour débloquer les trucs vraiment basiques. C'est le truc à faire, ça, vraiment. Salut Emma. Y a pas de problème, ça va? Comment tu vas? Camille, ça s'est bien passé? Ça a été, j'espère. Oh, on peut faire le fusil à stase. Ce qu'on aimerait faire, c'est le découpeur laser. Il nous faut du soufre de cave. Du soufre de cave, pardon. C'est bon, j'en ai. On va pouvoir faire le découpeur laser. Nickel. La boussole, on aimerait la faire aussi, mais on n'a pas les compos nécessaires pour la faire. On peut faire du verre émaillable à présent également. Nice. Bon, on va partir sur une base. On va faire une base un peu plus grande. Je dis ça, mais elle va pas non plus être si grande que ça. Je veux faire la chambre d'immersion. Voilà ce que je veux faire. Il me faut du lubrifiant, lingot de titane et du plomb. En fait, si vous voulez, vous pouvez juste, si vous faites partie des gens qui aiment pas faire des bases, qui ont envie de faire un truc vraiment très simple, très basique, vous pouvez donc juste avoir une chambre d'immersion et tout mettre dedans. Genre, ça peut être vraiment votre studio. Moi, c'est ce que je faisais à chacune de mes aventures à chaque fois. Quand je voulais speedrun le jeu. Enfin, c'était pas un vrai speedrun, mais... L'expression pour dire quand je voulais du coup faire le jeu vite quoi. Tu vois, ça va beaucoup plus vite d'en avoir deux en vrai, c'est trop bien. J'adore en avoir deux, je trouve ça tellement pratique.
Du coup, on va mettre le recycleur. Let's go. J'aime mieux un manoir avec vue sur Ghost Leviathan. J'avoue que c'est stylé quand même, on va pas se mentir. T'as eu les schémas de Belo Zero. Si tu veux une salle immense, d'un seul coup, tu as le plan aussi. Ouais, j'avoue. Grande salle, dôme en verre, pour salle en multifonction. C'est stylé ça. Tu peux avoir une salle multifonction avec un dôme en verre et tout quoi. On l'avait pas ça avant. Ils l'ont rajouté avec c'est l'extension de Belo Zero. Non, moi c'est ça qui m'intéresse. Je veux faire une chambre d'immersion. Pour la chambre d'immersion, il nous faut 2 de plomb. Donc on a une capsule qui a coulé au fond de l'océan, c'est la capsule de survie numéro 12. La capsule de survie numéro 17, on peut la... On peut arrêter du coup de la surveiller, c'est bon, c'est nickel. Impec. Ok, alors... Nous, ce qu'on va faire, c'est ça. Faudrait qu'on arrive à le relier, en fait. Pourquoi il refuse ? Attends. Connecteur vertical. Attends, vas-y, déjà, tu sais quoi, on va la faire, la chambre. Tu penses que c'est les panneaux solaires qui gênent, ouais? Ouais, je pense que je pourrais pas les relier, ouais. Il y a un souci de hauteur. On va faire un truc qui est simple. Warning, emergency power only. On va faire ça. After weeks without human contact, it is normal to experience psychological discomfort. Research indicates symptoms may be partly alleviated by adopting a pet or anthropomorphizing an inanimate object. Regardez, il n'y a clairement pas à se prendre la tête ici.
Donc. Ah, ils avaient nerf ça. Putain, je m'en rappelle. Ah, ils abusent. Avant, en fait, on pouvait construire une... Mais ils l'ont nerf. Je pouvais construire, du coup, une armoire ici et ici. Du coup, j'avais bah, armoire en haut, armoire ici. Et donc, bah c'était royal, quoi. C'était trop cool. Mais ça, ils l'ont nerf. Ok, on va installer ça comme ça, ensuite. Ça ici. Cette machine-là va nous servir. Elle est hyper pratique, c'est pour améliorer du coup plein de choses. Attends. Ça vole là du coup comme ça, non? Ouais, c'est moche. Ça fait pas réaliste. Voilà, comme ça. Ensuite, on a quoi d'autre? La console d'amélioration de véhicule. On va installer ici. Voilà. Et on a tout ce qu'il faut, mes amis. C'est nickel. On n'a plus qu'à construire tout ça. Ah, j'ai plus de titane, malheureusement, par contre. Merde. La sauce. Ça, je peux le faire ou pas? Ouais. Tu as regardé la série sur Rick et Michonne? Non, j'ai pas regardé. Ils font 50 milliards de séries là sur The Walking Dead en ce moment, j'ai remarqué, ouais. J'avais regardé le premier épisode de la saison de la série avec Daryl. Et Je sais pas, j'ai... J'ai pas spécialement accroché en fait. Attends. On va faire un truc, on va récupérer tout le titane ici, comme ça on va pouvoir tout construire. Ah bah je crois que j'ai déjà tout. Ok, bon, vas-y on prend tout. On prend tout ce qu'on peut. Ah, je crois que je vais être obligé de le construire. Ah merde, j'ai fait bugger le truc. Mais non! C'est tellement chiant. Ils abusent, je peux pas le détruire! Ah écoute, vas-y, tu sais quoi? On va le laisser, tant pis. Ah oui, c'est Oui, ok, d'accord. Ah! Ah, mais c'est peut-être à cause de ça que ça bug. Mais oui! Cette série, c'est une masterclass, ouais. Non, mais j'ai compris pourquoi ça marchait pas. C'est pas que ça bug, c'est juste que je suis ravagé. Et oui, en fait, j'avais mon inventaire qui était plein, du coup, je pouvais pas ramasser le truc en plus, et donc ça voulait pas. Varg et le BTP. Je te jure, non mais t'as vu? Quel enfer. Je me fais bully. Qu'est-ce qui t'arrive à toi? Le conteneur de stockage n'est pas vide. Merde. Ouais, mais c'est incroyable. Elles sont...
Putain, forcément, j'ai rempli celui qu'il fallait pas. Pourquoi est-ce qu'il prend des libertés par rapport aux autres, là, ici? Mais qu'est-ce que c'est que ce connerie? Bon, écoute, ça fera le taf comme ça. Ça devrait le faire. Salut Jean! Ah ouais, c'est ce que Bouddhi m'a dit. Il m'a dit que la série Fallout était sortie, ouais. Il faudrait aller jeter un petit coup d'œil, j'avoue. Il faudrait aller voir ça. Capsule de survie 12, 250 mètres de profondeur. Donc la bonne nouvelle en plus, c'est qu'on va pouvoir garer notre Simots là. Là-dedans. Bim. Parfait. On va pouvoir le recharger tranquillement. Ce que j'aimerais faire si possible, ça serait, bah, il nous faudrait un peu plus du coup de panneaux solaires. Ce serait bien. Deux de quartz, deux de titane et un de cuivre. Un de cuivre, quartz, titane. Ok, il nous faut du quartz. Et du titane, on devrait en trouver par ici. On est déjà plein. Eh, ils ont l'air inoffensifs ceux-là, mais ils peuvent te one shot, hein. Il suffit juste que tu te retrouves dans l'espèce de boule de gaz qui balance et c'est fini. Tu meurs. Salut Lunders. Ça va poulet? On est passé à 3... Ah non, à 150 du coup. Ah, c'est bien. Un mec. Ouais, ça va nickel, Lunders. Merci, Paulet. Ça fait une belle petite réserve de quartz. Alors, la station de modification. Titane, diamant, plomb. Titane, plomb,
Alors, titane, on en a pas. Station de modification, on la fera après. Croix de titane, un circuit intégré, du fil de cuivre. Tout ça, on peut en trouver autour de nous. Donc déjà, du fil de cuivre, c'est pas un problème, on le fait. Ok, ensuite. Circuit intégré. C'est du fil de cuivre avec de l'or. Et du corail également. Alors le corail. C'est bon, c'est fait. Maintenant, il ne manque plus que un de cuivre. Il m'a même pas touché, regardez, ma barre de vie elle est pleine. C'est une arnaque. Demain soir, comme je veux regarder ton stream et que ce sera long, j'ai prévu une pizza, tu m'en voudras? Non, non, si, quoi que si, elle est où la mienne? This is Sunbeam. You know Aurora. We're from the little transgov on the far side of Andromeda. Si moi aussi j'ai le droit d'avoir une pizza, ouais, je t'en veux pas. Tu m'en prends une pour moi et c'est bon. No good without the bad. Sounds like you tasted a bunch of the former. But that only means you're overdue a whole lot of the latter. Might just be we're in. We're scanning for somewhere to park. We'll be in touch when we find it. Sunbeam out. Ah, y a le fameux circuit intégré. Et tu voulais quoi d'autre? Fil de cuivre, circuit intégré, 3 de titane. Ah putain, c'est peut-être les 3 titanes que je vais pas avoir. Ouais, il nous faut du titane. Un titane. Allez, encore un titane, on est bon. Et merde. Ah, ah putain. Je suis à sec. Juste un titane. Putain, je demande pas le monde quand même, non? Si? Je demande un titane! Non, tu en voudras. Là, regarde. 4 de titane. J'en demandais pas tant, mais... Encore du fil de cuivre. Mais... Je l'avais déjà fait pourtant, non? Il me semblait l'avoir déjà fait. Allez, c'est parfait, c'est nickel. Ok, alors qu'est-ce qu'on a mis pour améliorer? Module de profondeur pour 6 mods. Améliore la profondeur de plongée maximale. Un lago de titane et 2 de verre. C'est parfait, c'est ce qu'on a. Tac.
Hop là, on peut aller à 300 mètres de profondeur maintenant. Nickel. Ensuite. Non, c'est pas le pro, on s'en fout pour l'instant. Chargeur solaire pour Simoth. Recharge la batterie du Simoth grâce à la lumière du soleil. Ça nous intéresse pas, ça sert à rien. Système de défense pour Simoth. Génère un champ électrique localisé conçu pour faire face à la faune agressive. Ça, ça peut être drôle. Système de torpille pour Simoth. Un système de charge standard adapté pour tirer des torpilles. Sonar pour Simoth. Un système consacré à la détection et à l'affichage de données topographiques sur l'HUD. Et enfin, on peut faire des torpilles. Génère une distorsion gravitationnelle localisée. Charger ceci dans la baie à torpilles d'un véhicule. J'ai jamais essayé d'utiliser des torpilles pour aller tuer un Léviathan, par exemple. Je me demande combien de torpilles il faut pour... Ah ouais, je l'ai utilisé dans le circuit intégré, t'as raison. Mais ouais, bien vu. Exact. C'est vrai, c'est vrai. 20 kills du Léviathan. Voilà, et regardez, ça, ça nous intéresse. Le petit module de stockage. Renfort de la coque. Module de rendement moteur. Recycle la chaleur sous-produite pour minimiser les défaillances énergétiques compatibles du Simoth ou du Prone. Mettre deux modules de stockage, ça pourrait être cool en vrai. Hop. Je trouve ça vraiment sympa, tu vois, d'avoir les modules de stockage. En plus, sur Adlardonien, de la place, ça en fait quand même pas mal, hein. T'as 16 de place. T'imagines? C'est trop cool. C'est énorme, 16 de place. Ça te permet de transporter plutôt pas mal de trucs. Beaucoup trop. Les torpilles, c'est de la bouse en boîte, vraiment. En plus, faut sortir du Simoth pour recharger. Ah ouais, ça n'a aucun intérêt, du coup. Oh putain. Oh là là, sans déconner. Sortir du Simoth pour recharger les torpilles alors que t'es en plein combat contre un Léviathan. Oh là là, mon dieu. Oh putain. Bon. Est-ce que j'ai encore du lithium en réserve? Normalement, ouais, je devrais en avoir encore. J'ai rangé où? Arrête, t'es sérieux? J'ai vraiment tout utilisé? Ah. Salut Cryo. Je parle connaissance de cause. Bienvenue sur stream, merci pour l'info poulet. Ouais, on m'a dit ça tout à l'heure apparemment, ouais. On m'a annoncé la news. J'étais persuadé qu'il pourrait rester encore un peu de lithium. Je suis ravagé. C'est officiel. C'est officiel, mes amis. Nous sommes complètement ravagés. Welcome aboard, Captain. Seek fluid intake. J'ai déjà soif. Oh là là. Alors, ici, ça va être le vert. Voilà, nickel. Ici, ça va être diamant et rubis. Bon, tu sais quoi, on va appeler ça diam rubis. Voilà. Pourquoi je mets un dé à diamant? Moi, je suis ravagé.
Ah, c'est tout le plomb, ok. J'avais une armoire avec écrit cher. Ouais, j'avoue, mais ça, c'est un bon plan, ça. Plomb et magnétite. Or, argent. Craft. Végétal. C'est pas mal, non? Parce que diamant. Ouais, c'est ça, en anglais ça s'écrit comme ça, non? Je suis pas fou, non? On est d'accord, hein? Non? Je sais pas. Ouais, c'est pour ça, hein. Juste l'habitude de voir le mot en anglais qu'en français, je pense. Du coup, je sais pas, moi je suis persuadé qu'il y a un D alors que, bah, pas du tout, mais bon. Alors attends, Varg, ça serait peut-être bien que tu boives un coup avant d'y aller, sinon tu vas légèrement crever. Ouais, Askip, t'as soif. Ils sont vraiment énervés, bah dis donc, hein. Vache. On pourrait se faire un distributeur d'eau, hein. Ras le bol, on va pas s'emmerder quand même, hein. Seek fluid intake immediately. J'ai faim, j'ai soif. C'est quand même terrible. Sac gélatineux. J'en ai un. Le pire, c'est que j'en ai un. Et rubis. Faut que j'aille sur la terre ferme si j'ai envie de... d'aller récupérer de quoi faire la culture pour les bacs et tout. Ok, ok. Ouais, diamant en anglais, c'est diamond. Ok, merci les amis. C'est bon à savoir. C'est pour ça, en vrai, je pense que j'ai mis un dé. Pour ma défense. Vital signs stabilizing. On va tout de suite aller chercher un maximum de titane si possible. On galère au niveau du titane, c'est un enfer. On passe notre temps à en chercher. Non, ras-le-bol. On va essayer une belle réserve de titane. Comme ça, on sera vraiment peinard. Attends, je crois que c'est ça le bio, non? Oui, le bioréacteur, donc il se trouve bien dans la zone du biome de base. Ok, ok. Non, parce que ça, vraiment, c'est le truc basique à... C'est vraiment le truc basique à récupérer, quoi.
Salut Guérin. Ouais, ça va et toi? Ça roule? Ensure against dehydration and eventual death. Allez, le fameux canon en propulsion. Les radiations de l'Aurora se rapprochent très dangereusement de ta base. Il va falloir aller réparer l'Aurora rapidement là. Faut rigoler ces créatures. New blueprint acquired. Putain, j'ai déjà mon inventaire qui est plein, mais arrête, c'est un délire. Ça va trop vite. Bonjour, je m'en vais. C'est bon, je m'en vais. Salut Stéaxon. Comment ça s'est passé tes débuts? Oh, trop bien. C'est ça qu'on voulait. Fragment du moteur. Yes. Voilà, impec. Ouais. Comment ça s'est passé tes débuts en streaming sur Twitch? Dans le sens où est-ce que ta chaîne a mis longtemps à prendre? Est-ce que t'as été découragé par certains moments? Non, non, y a pas de soucis, t'inquiète. Un an, à peu près. Un an. J'ai mis à peu près un an, du coup, pour commencer à... Non, deux ans. Un an pour développer la chaîne. Et pour voir le potentiel un petit peu de ce qu'il y avait la possibilité d'être fait. Un an de plus pour pouvoir vraiment développer la chaîne correctement et pouvoir commencer à en vivre. Et du coup maintenant ça fait 4 ans, ouais, à peu près, 3 ans et demi, 4 ans que je peux vivre du coup de cette passion grâce à vous. Et après bah y a aussi, tu vois, la partie de la chance aussi. Quand j'ai commencé il y avait moins de monde aussi sur la plateforme. Quand je dis moins de monde, c'est, je parle pas de viewers mais je parle de streamers. Il y avait moins de personnes qui stream aussi, donc là maintenant il y a beaucoup plus de personnes qui streament. À l'époque où j'ai commencé, il y a 6 ans, tu vois, il y avait quand même un peu plus de visibilité aussi. C'est vrai que plus t'as de streamers, et quand tu te lances, moins t'as de possibilités, tu vois, de sortir un peu du lot, dans le sens où bah si tu pars de zéro et que tu te fais effectivement pas raid, ou si t'as personne dans ton entourage, tu vois, qui peut t'aider. Moi c'est le cas, je suis parti du coup vraiment de zéro. Je me suis démerdé, tu vois. Je me suis démerdé tout seul. Et effectivement, s'il y a énormément de personnes qui streament comme toi, c'est compliqué, tu vois, de réussir à obtenir un peu de visibilité, tu vois ce que je veux dire. Mais après, ça a pris beaucoup, ouais, ça a pris pas mal de temps, tu vois. Ça a pris pas mal de temps et ça s'est fait petit à petit, quoi. Mais après, à l'heure actuelle,
Bah, je pense que tu vois, si je devais, si j'avais commencé 2 ans après, j'aurais pas, ça aurait pas marché. Je suis arrivé au bon moment sur la plateforme. Je suis arrivé pile poil quand il fallait et je pense aussi avoir pris les bonnes décisions, tu vois. Je pense avoir pris des décisions plutôt intelligentes pour la chaîne. Sur les jeux choisis à faire, les jeux à pas faire, etc. etc. Parce que j'ai testé des trucs, tu vois, quand j'ai commencé à streamer. Et je me suis rendu compte que... Je suis un grand fan de WoW, mais que WoW, ça allait vraiment pas le faire, quoi. Pareil, je suis un grand fan de CSGO, mais CSGO, ça allait pas le faire. Et puis après, j'ai découvert certains jeux, et... Puis après, le temps est passé, et... Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, y'a un aviateur là-bas aussi. Salut Ryan! Salut Paulette, j'espère que ça va. Mais j'avoue, j'aurais jamais vu Camille sur ma chaîne, bordel! Ouais, maintenant j'imagine même pas. Hein. Ah, c'est vachement compliqué en fait, il y a trop de... Comme je disais, on va arriver à un stade où, à un moment donné où il y aura plus de streamers que de viewers en fait sur Twitch. Et à partir de là, au final, bah, comment est-ce que tu veux toi te lancer dans cette aventure, si tu espères bien sûr faire quelque chose, hein, je... Dans le sens, si tu veux en faire un métier. Pas dans le sens juste passion, tu vois, en mode je suis mon petit stream tranquille et j'attends rien, tu vois, juste voilà. Non, si vraiment ton objectif c'est voilà d'en faire une activité principale, là c'est vrai qu'à l'heure actuelle, partir de zéro sans avoir un coup de pouce de la part du coup, bah, je sais pas moi, de l'Oclear ou enfin, où est-ce que je veux dire, d'un streamer du coup qui a beaucoup de visibilité et qui pourrait donc te filer un petit coup de main, sans ça, oui, c'est franchement chaud quoi. Là, à l'heure actuelle, ouais. À l'époque où le son pour avertir qu'il y avait un nouveau follower faisait « Yeah !» Ouais, oh, putain, je te jure. Ah ouais. Ah, ça pétait les oreilles. Hein. À un moment donné, j'avais quelqu'un sur la chaîne qui m'a dit « Varg, tu pourrais baisser le son, s'il te plaît ?» Je te jure, je suis de droit de faire une attaque à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui follow la chaîne. Putain, ça nous rajeunit pas, ces conneries. Ouais, avec le poulet, ouais, exact. Le poulet de CSGO, ouais. On a une petite épave ici. On va essayer de la fouiller, on va voir, on va peut-être pouvoir trouver des choses sympathiques. Est-ce qu'on peut ouvrir une porte? On a le découpeur laser en vrai. Non? On peut rien découper? Arrête. Ah, je peux ouvrir la porte ici. J'ai besoin d'outils de réparation. Attends. J'ai une pile visiblement. Ah oui, trop bien. Salut, je mets une spirit. Non. C'est Nautica classique. C'est le premier. Fragment du Siglide. J'ai l'impression qu'on va rien trouver d'intéressant ici. Ouais, fragment de Siglide. On va y faire un tour là-dedans, tiens, on va regarder. C'est pareil, fragment de Siglide. Ah, y'a vraiment rien, hein. Bon, ok. Mon alerte préférée, c'est les simples. C'était les 5 sub-gifts de Sea of Thieves. Oui! Ah, ça, je l'ai enlevé parce que du coup. On m'a dit que c'était écœurant de voir le.
le fameux perso qui est en train de vomir. On m'a dit oh ouais c'est pas terrible. Du coup j'ai dû l'enlever Piggy, je suis désolé. Pardon Piggy. Oh là c'est Pablo. Salut Pablo. Bienvenue sur le live. Certaines fois dans les épaves, j'étais désorienté, j'étais mort à cause de ça. Ouais, ouais, mais ça m'est arrivé aussi un paquet de fois. De me perdre, c'est clair. Ouais, mais en tout cas, c'est Naxo. Honnêtement, je suis vachement content, tu vois, de ce qu'on a réussi à faire ici sur Twitch, c'est trop cool. Il y a une super ambiance et tout, c'est génial. Moi, je peux... je vis cette activité grâce à vous, grâce aux personnes, tu vois, qui sont là sur le stream régulièrement, grâce aux personnes qui font des donations, grâce aux personnes, tu vois, qui sont sub à la chaîne, grâce aux personnes qui sont là sur la chaîne régulièrement, pour pas dire tous les jours, et qui laissent une petite vue, tu vois. C'est grâce à tout ça qu'on peut vivre de la chaîne. Et je suis super content, surtout, de voir que, déjà, d'une part, moi, je m'éclate toujours autant. Il y a toujours une bonne ambiance ici. Et je suis vachement content, tu vois, de voir qu'on a réussi à construire tout ça ensemble. C'est trop cool. J'y vais ensemble parce que c'est pas que le fruit de mon travail. C'est un travail d'équipe. C'est moi qui gère la chaîne, tu vois, mais enfin... La chaîne, c'est nous, quoi. C'est pas que moi. C'est que c'est moi qui gère la chaîne, c'est-à-dire que c'est moi qui appuie sur le bouton pour démarrer, tu vois, la chaîne. Comme si j'allais ouvrir le bar. Mais après, voilà, les personnes qui font... vivre la chaîne, c'est vous. Les personnes qui vont apporter également la bonne humeur, c'est vous aussi dans le chat, tu vois. C'est ça, c'est 50-50. Exactement, ouais. Et ça, c'est trop cool, tu vois. Quand j'ai fabriqué le cyclope, je devais trouver... Ouais, les dents de rôdeur. Ah, l'enfer, putain. L'enfer. Ah ouais. La galère. Merci Yanis, merci pour le follow. On voulait mettre du titane quelque part, je crois, non? Végétal, armoire, plomb, diamant, rubis, vert. Titane. Voilà, on va mettre tout le titane ici. Direct. Nice. Impec. Désolé, mon pote se moque de moi. Après, belle chaîne Twitch mondiale ici, une modération au top, notamment Merkou qui gère grave, grave. Vraiment aussi, c'est un lieu de rigolade familial et reposant, j'adore. Merci Camille. Du coup, on va mettre du titane à côté, on n'a pas le choix. Ouais, on va faire ça. Oh, ça fait une belle réserve. Ah, j'ai pas fait de compartiment avec le cuivre. Craft, cuivre. Ouais, on va faire ça. Attends, mais j'ai fait de la merde en fait, non? Ouais, je crois que j'ai fait une connerie. Je suis en boulet. Attendez, fais ça, ça. Voilà, nickel. Ça. Et ça. Nice. Tu m'étonnes, un streamer sans chat, c'est moins fun des deux côtés. Mais un streamer en fun, c'est pas cool non plus. On a le fameux canon à propulsion.
fusil à stase, découpeur laser, on l'a déjà fait. Là, on est bien niveau objet. L'outil de repérage. Ça, c'est pareil, ça sert pas à grand chose. La boussole qu'on a toujours pas fait d'ailleurs. Je crois pas avoir ce qu'il faut pour pouvoir la faire, attends. Oh, j'ai pile poil ce qu'il faut. Oh, c'est insane. Donc il nous faut un fil de cuivre. Et un kit de câblage. Voilà, et là on peut faire la boussole du coup. La boussole qui est installée automatiquement. Nickel! Ah ouais ouais, le canon qui stun, c'est la... bah, c'est l'arme la plus puissante contre le Léviathan. En fait tu peux pas le tuer le Léviathan techniquement. Enfin si tu peux, mais il faut lui mettre je sais pas combien de coups de couteau. Pff, franchement... Est-ce que c'est vraiment rentable par rapport au temps que tu vas y investir? Je suis pas sûr. Pas sûr que ce soit giga rentable hein. Non attends, je veux construire le truc s'il te plaît. Là-dedans, il nous faut quoi? Du titane, diamant, plomb, circuit intégré. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. C'est magique. Titane. J'en ai, circuit intégré, diamant, plomb. Donc. Du plomb. Diamant. Circuit intégré. C'est de l'or avec du coup du corail. Il me faut juste un de cuivre et je suis bon. Je comprenais pas ce que c'était. En fait, le machin il a bugué, il a spawn. Il a spawn à l'envers le truc. C'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que c'est que ça, voyons? Et en fait, ça a bugué. Encore du titane. T'as des fois, tu galères pour trouver juste une compo, tu sais. Ça rend fou. Y'a pas moyen de trouver du cuivre en grande quantité, je crois. Hein. Rapidement. De toute manière, même je pense que au moment où t'en veux. Du cuivre en grande quantité, c'est. Le mieux c'est de le récupérer ici, je pense quand même. Si après tu peux choper des filons de cuivre. Des gros filons de cuivre, à mon avis, tu peux, mais bon. Ouais, avec la salle de scanner, ouais, c'est le top. Après, il faut être à côté, quoi. C'est ça le truc. Il faut que la salle de scanner, elle soit pas loin. Tu sais, c'est quoi la meilleure ambiance? C'est quand t'étais sur Sekiro, j'ai tout adoré de A à Z. Arrête, tu trolls, c'est pas possible. Tu pouvais pas aimer le stream quand j'étais sur Sekiro. J'entendais dinguerie. Ah, on a perdu Camille. Je crois qu'elle a dit la bêtise de trop. Alors, j'ai fait le circuit intégré. Un échantillon de corail plat. Après, il m'en faut un deuxième. C'est ça.
Voilà, parfait. Lame thermique. Ouais, au final, on va pouvoir manger bien plus facilement, ça va être cool. Ah ouais, l'avantage de la lame thermique, c'est que maintenant, c'est fini la galère de bouffe. Donc si j'arrive à faire le distributeur d'eau plus la lame thermique, c'est bon, on est tranquille. Sachant que le distributeur d'eau, en plus, je peux le faire, non? Attends, est-ce que je peux l'installer ici? Ça serait mais genre, mais royal. Ouais, non, il faut une pièce spéciale pour l'installer, ouais. Ok, ok, logique. Ok. Dans une salle multifonction. Non, c'est pas le bon endroit. On annule. Est-ce que j'ai assez de titane sur moi? Ah ouais. Intégrité de la coque modifiée. Nouvelle valeur, 2,75. Porte pour... porte de séparateur de grandes pièces. Séparateur de grandes pièces. Étant la portée de la source d'alimentation. J'ai tellement d'or sur ce vodka, mais je ne l'ai jamais fini. Ah ouais, sérieux, sauf? Trois titanes, fil de cuivre, aérogel. Faut trouver la catégorie rubis. Ça, il y en a du cuivre, hein, c'est ça. Hein. On va déjà mettre ça. Ouais, un fil de cuivre. Putain, le cuivre, c'est vraiment le truc que tu dois avoir en grande quantité directe. Je me rappelle plus, est-ce qu'il y a des spots où on peut en trouver du cuivre, non? À part dans ces cailloux-là. Ouais, mais en fait, je crois que t'as besoin... Ouais, il me semble que oui, mais... C'est nécessaire d'avoir le Cyclops. Ouais, de souvenir, le Cyclops est nécessaire. C'est que dans Bello Zero qu'il y a des veines. Ouais, il te faut le prone si tu veux forer des gros rochers de cuivre. Merci poulet. Et c'est dans l'entrée de la Lost River en plus, je me rappelle. Mais il n'y a pas des veines en fait. Contrairement à Bello Zero, dans celui-là, il n'y a pas de veines. On dirait après ça va vite. Hein. Il suffit juste d'ouvrir l'œil et c'est bon quoi. Ouais. Ouais, j'avoue que dans la Lost River, il y a quand même pas mal de choses. C'est vrai que c'est un peu le paradis là-bas. Ok, et... Nouvelle valeur 1,75. C'est nickel mes amis, ça y est.
Ok, on a cette machine du coup qui va faire de l'eau. Trop bien. Et en plus ça va faire des grosses bouteilles d'eau quoi. Donc on a le couteau. Pour couper les poissons et les manger direct. Voilà. Et on va se faire du coup, on a également du coup la grosse bouteille, le machin qui va nous faire de l'eau. Donc déjà côté survie on est tranquille quoi. On a amélioré le véhicule comme il fallait. Et après ça va être que du plaisir, ça va être que de la recherche. Ah. The fuck, il a disparu. Putain. Ah ! J'ai réussi à l'éviter. Incroyable. Là, les bruits, quand il mâchouille, là, ça bouffe, ça me donne trop faim, je sais pas pourquoi. Voilà, parfait. Alors, c'est quoi le programme pour la suite, mes amis? On a 300 mètres de profondeur. On a fait une petite session de chill, il est quelle heure? 19h30. On va déjà sauvegarder, quoi qu'il arrive. Voilà, nickel. Le point de rendez-vous, là-bas. Il y avait une grotte en profondeur qui avait l'air sympa. Ouais, là-bas, 250 mètres de profondeur, capsule de survie numéro 12, a coulé au fond de l'océan. C'est Pom Pom Land. Let's go. Ah oui. Ouais ouais, je vois de quoi tu parles. Salut Roro, ça va? Ah, il nous fait passer par le biome des champis. Alors ici c'est trop bien parce qu'il y a moyen de trouver très facilement du lithium ici. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or terra vehicle signatures. Vous voyez ce que je vois? Fragment du pont du Cyclops. Nickel. Ici, il y a moyen de trouver des trucs vraiment sympas. Ce biome, en plus, il est vraiment magnifique. Je crois pas qu'on a un souci. Oh la vache! Si, si. Côté radioactivité, ça va pas du tout. De toute manière, il va falloir qu'on se dépêche d'aller dans le vaisseau là. Ah, il va falloir qu'on aille dans le vaisseau.
30 seconds. Elle est où la zone? C'est là. Ok. Ah, ce biome, il est insane! Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. New blueprint acquired. Integrating new PDA data. Canon à répulsion? Attends, mais je l'avais pas déjà appris ça? Integrating new PDA data. Je semble l'avoir déjà appris. Detecting volcanic activity and several unusual electromagnetic. Merci Roro pour les 5 mois poulet. Merci du resub, merci beaucoup Roro. Voilà, et il faut pas oublier de venir ici du coup à chaque fois. Là il y a un truc sympa à fouiller. Unité de confinement pour aliens. On devrait aussi avoir de quoi recharger les piles ici. Bon appétit l'empachant. Fusil à stase qu'on a déjà appris à faire. Distributeur. Là je crois qu'on ouvre l'accès pour aller à l'extérieur. Est-ce qu'il y a des choses sympathiques ici? Ramasser la valise. Fusil à stase. Encore un fusil à stase. Il m'a tapé à travers le mur, c'est un salaud! Ok, nickel, on a fouillé comme il fallait, c'est parfait. On a récupéré tout ce qu'on voulait ici. Ah, attends. Et ça? La salle de scanner! Oh, il m'a mis tarif! Même pas. Je suis gentil pourtant, laissez-moi tranquille. Et par là, on a l'entrée, je crois. On peut trouver une entrée de la Lost River. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Salut Flash! Mmh.
Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Oh mais j'ai envie d'aller en profondeur là, mais je peux pas. Pff. C'est terrible. Ouais, je peux pas aller en bas. J'ai vu que tu joues à Subnautica, du coup je suis venu direct. Nice! Fan de Subnautica, toi aussi, Follet? Là, regardez, vous avez vu? Qu'est-ce qu'on a là? Un téléporteur? J'ai rien pour l'activer malheureusement. Salut Voyat. Il m'a fait trop peur. Putain, j'entends un bruit de Léviathan. Vous l'entendez vous aussi? Salut prop. Bon allez, de toute manière je vais m'arrêter là les amis pour aujourd'hui. On a fait une belle session, c'était cool. On va aller faire un bisou à Léviathan avant de... Ah mais c'est pas là qu'il est. Mais il est où? Massive energy signature in the region. Cannot identify. Cet endroit est magnifique.
Ouais, c'est la pression. Remonter. Fais-moi un bisou. C'est ainsi que s'achève, mes amis, cette petite aventure Subnautica. Alors, du coup, au programme, la semaine prochaine, quand on va reprendre l'aventure, on va aller donc dans l'Aurora pour aller donc faire en sorte que le vaisseau n'ait plus tous ces problèmes techniques, hein, l'histoire qu'il n'y ait pas des radiations partout, que ce soit plus le bordel. Ça sera la grosse mission du coup de la semaine prochaine, et on va continuer d'améliorer un petit peu le véhicule et continuer de fouiller un maximum. Là, ça a été une session où on a vachement amélioré, enfin on a construit notre base, on a commencé à l'améliorer un petit peu. On a fait ce qu'il fallait du coup pour pouvoir être tranquille, hein, niveau bouffe et niveau boisson. Ça, c'est un bon truc de régler. Maintenant, on est tranquille côté survie. Ça va être principalement maintenant de la découverte et de l'amélioration de véhicules. Donc ça va être cool. Un grand merci à vous en tout cas pour la journée, les amis. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Demain, au programme, vous savez ce qu'on fait. La All Killer versus All Survivor. Ça va être cool. Petit défi, grosse session Dead by Daylight. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir du DBD. Mais j'ai préféré aujourd'hui faire plus de multigaming. D'histoire de, on va dire, d'économiser, histoire de vraiment bien profiter de la session de demain et pas d'arriver sur le jeu avec trop d'heures déjà sur DBD, sachant qu'on fait une énorme session DBD demain. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Un grand merci à vous, les amis. Et on se retrouve du coup demain pour la suite de nos aventures. Ciao, ciao, les Varguins, des bisous à vous.